Il a joué. C'est pour taper. Il a joué les Bellman. Je pense qu'il joue toutes les Bellman, toute la braquette. Alright! Ok. Parce que ça serait intéressant. J'espère qu'il joue pas. Bobber. Ton set pour tonight va être on stream. D'autres fois qu'on joue contre, mais on va genre jouer back to back anyway. C'est ça. Fuck, okay, on s'en fout. Fait que c'est ça. Donc c'est Angela qui est en top 8 winner set. Je tiens à dire qu'il y a assez de top 8 qui est bien plus stable que nous. J'espère que je vais. J'espère que je vais le contre Salou. Right. Ok, ils sont installés. Fait que numéro 1 c'est Lucci, deuxième c'est. Lucci qui a une couple de run depuis. Un bout? Ouais. Bobber Seals. Bobber Seals. Seals qui est un méga vétéran de la scène, que ça fait genre 6 ans qu'il joue. À chaque fois, il chiant. 6 ans, écoute. Par contre, il est battu Dynamics. Honnête. Mais ouais, c'est Dynamics pareil, là. Battu Nicobol, là. Seals, s'il jouerait pour vrai au jeu, comme du monde, il décalait sur toute la scène. Pas tout, là, mais. Mais il décalisse, puis il a refait top 5 facile. Oui. Mais le problème, c'est vraiment quand t'as pas envie de jouer au jeu. Oh, DDD! Ah ouais, pas de rob! Ok, c'est encore Lucci. Un best of two. Tu s'en vas. Mais Lucci, il y a genre 3 mains. Corin, DDD, Rob. Mais Sears, il y a vraiment juste eu un character. Quoi? Je veux ton sac! Pourquoi? On veut la manette, mais la ville. C'est moi qui dois. Allez, d'autres manettes. Jérôme fournisseur de manettes. Ok. Quand fait que le grab d'entro into backer, je crois. Le Zelda, sweet spot. Lady est tellement gros que ça marche forcément. Le show. Et les deux qui. Pour moi, il a joué Richter contre. Il a joué Richter contre Bobber. Oh, le dash attack, c'est de read le normal get up. Un gem fair pour punish. On est assisté. Juste un down B pour Both. Cover le jump. Ok, parfait. On va vraiment sûr avec l'utilisation des points. Oh, ça. Damn! Nice ledge trap. On avait tout cover. Sears là. Dépendamment du timing. C'est tout. C'est le ledge trap de malade qu'il y a. Il y a vraiment un ledge trap qui est très très beau. Puis c'est à chaque fois que tu vois genre Sears jouer, c'est très beau. Puis après ça, ses moves commencent à bouiller. Puis là, il commence à tilter. Puis il commence à être approché. Mais quand il est dans cette position là où que. Il est dans la zone, Seals, il part par ton homme. Oh, ok. Je sais pas que ça faisait ça comme attaque. Mais B-Boy. B-Boy, on sait jamais, man. Ouais. Oh, le fait. On sait jamais. C'est DDD, rappelle-toi, même s'il y a un désavantage. Il peut toujours come back. Les deux ont les tueurs de malade, mais ils sont dans un counter, tu sais. Il peut come back, pas parce que c'est un bon character, juste parce que c'est DDD. Oh, beau ledge trap de la part de. Ok, de on met Gando. Up smash? Oh, down. On a le temps de punish ça avec beaucoup de choses. Ok, on fait le Gordo. Fair sweet spot le Gordo. 65% là, le vrai problème, c'est vraiment le down B de Zelda empêche littéralement Didi de jouer. Down tilt fait. Je pense pas que c'est true. Tout juste... hit! C'est parce que Didi est trop beau. Toutes les sweet spots hit! Sears est dans son élément là. Oh yes, un punch tag. Ah, fait... What the fuck? Le armor qui le pogne dans la ronde, ok. Le oh! Mais ça, genre, ça a fait une hit. C'est que ça a fait Gordo, puis ça a fait le smash aussi. Mais la. Well, sweet spot sur le FR. Oh, le down B encore. Essaye d'avoir le read avec le hobby pour se prendre la stock early, mais ça marche pas. Et le. Oh! Ça a sweet spot. C'est-tu encore en down tilt fair? Non, c'est juste backer. Drop down backer, passer à côté du Gordo, backer. C'est eux qui prend la première star, le premier game. On rappelle que c'est best of three. Ouais. Et le pire, c'est que ça me fait juste penser à le fair et le backer à Zelda. Ressemble. La mécanique est vraiment similaire à celle du Nii. Par contre, DDD, là, il est tellement gros. À ça chaque aide fois, tout le temps. Ça aide tout le temps. Tout le temps, sweet spot. Comment DDD sort du ledge contre Zelda genre? Tu peux pas. Je pense pas que DDD peut absorber le fantôme. Non. Ah non, c'est fou. Ouais. Ah, peut-être. Peut-être quand il est en sweep, mais pas la sweep quand il est à la fin. Ouais, non, à la fin c'est même plus un projectile. Il y a ça, pas à la fin, mais au début peut-être. Ouais. Mais c'est pas un match-up que je verrais. Ah, ouais, c'est directement à Corrin. Ça, c'est un match-up qu'ils ont beaucoup joué. Parce que pendant un bout, je pense que Lucci habitait chez Seals. Oh! Avec Anma. Ok.
c'est un truc qu'on voit souvent. Ouais, mais... Puis la dernière fois qu'ils ont joué avec Corinne, c'est Lucci qui a gagné. Oh. Est-ce que c'est Rosalia? Oui. Bon ben, on va voir le rematch. C'est déjà un bien meilleur match-up. Oh! Le spin! Oh! Oh damn! Le spin, on cover l'option après. Parfait, ok. Back air? Non, peut-être que ça aurait fait de forme. Je pense même pas que ça aurait... Essaye de beaucoup de stage control à Seals en ce moment. Avec la mouche. Ouais, avec la mouche. La mouche qui... C'est du stage hazard. Même. C'est ça. Dis toi. Ok, le nerf, fair. Gros damage de la part de Lucci. 73%. Le ledge trap. Est-ce que ça va être... Oh, le forward smash qui paye hit avec le sweet spot. Oh, le dash back F smash pour pogner la roll. On attend. Je pense qu'on va essayer de pin. Non, même pas. Ok. Nair, out of shield. Un autre fair. Je vais juste utiliser ce F smash là et pété. Contre Zelda, ça va être vraiment insane. Ah non. Oh, une mauvaise action. SD de la part de Seals. C'est pas celui à Palu. Il y a, je pense qu'il y a des meilleurs angles. Il y a beaucoup de stage control par contre. Oui, mais je pense que là, le chien avec Corinne, il fait vraiment, il fait la game de Whiff and Punish, puis il attend. Ça fait, ça pogne. Le sweet spot en plus. C'est un des seuls buffs que Zelda a reçu. C'est le sweet spot du Sagi. C'est plus mal. Non, c'est plus facile à hit. Oh, okay. Parce qu'avant, ça aurait tout le temps Sour Spot. Sais-tu ce que la hitbox a augmenté ou la durée? La hitbox. Oh. Et le kill power. Ok, ouais, c'est quand même. Oh, ça a pas hit. Damn, non, juste la winbox. Au tout début, c'est juste la winbox. Oh! Ah, là, t'es dans le game plan là, ouais, de Seals avec le Phantom. Là, c'est ça, c'est le Phantom qui empêche notamment Lucci d'approcher. Ah, oh, le ledge kill va être le ledge trap. Okay, oh, dash attack! Ah, la stock! Hey, ça avait l'air très très bon pour Lucci, puis là, ça devient très très mal pour Lucci. Un petit 46%. Faut qu'il prenne la stock vraiment early. Pour une chance de comeback. Quoi que c'est Zelda, elle a pas le meilleur. Comment je peux dire? Les avantages du jeu. Elle est flottée, puis en plus, elle est légère. Oh! Ça. Oui, c'est pas sweet spot. Non. Non, mais ça a même pas pin. Ça a rien fait. On essaie de pogner pour le back air. J'ai vu le B aussi pour sortir des avantages. Encore une fois. Ok, on a un pair landing, ok. Encore un B pour revenir à un stage que Lucci se prend. La pin, rien. Phantom, plus de jump, dash attack, mais on prend avec un grave, c'est question de strap. Copal de mauvaise. Oh, et voilà! Faut pas essayer le challenge, man! Tu vas tout le temps te parer par le forward smash. Ce move là est broken. Ah, alors, c'est tellement bon comme forward smash. Broken. Oh, le B, non, ça kill pas. Oh, okay. C'est sur Battlefield. Bah, très close, honnêtement. Sans la bonne DI, il serait mort, je pense. C'est attention. Ok, oula, le nerf. C'est tellement dangereux, c'était Lucci en ce moment. N'importe quel hit pourrait kill. Oh, that's it. Oh! Le pixel. Ah, il y aurait du monde. Ok, le fair, le fair. Non! Oh, on a dû attendre. Il était tellement stale. On a essayé de contest. Oh, 60%. T'es peut-être à quel pourcent, hein? Oh, ok, on s'en va avec le pin. À 60. Non! Et voilà! Seals qui prend tout au-dessus de Lucci. Qui s'en va pour une run, hein? Oui. Une petite run. Ça va être Seals contre Saint-Gelo. Hein? Seals contre Saint-Gelo. Moi contre toi. Et... Dr. Nice contre Barber.